Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est une joie immense pour moi de parler encore une fois avec vous. Vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana, aujourd'hui nous sommes mardi. Il y a des paroles que j'aimerais partager avec vous ce matin. J'aimerais parler particulièrement à ceux qui se sentent complètement découragés. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment qui sont vraiment découragées. Tu sens que tu as besoin de la force, tu te sens affaibli, tu n'arrives plus à prier, tu n'as plus envie d'écouter la parole de Dieu, tu as envie de t'isoler, rien ne va dans ta vie. Aujourd'hui j'ai un message pour toi. Si tu es dans une telle situation, j'ai une parole pour toi. C'est une parole qui démontre la puissance de Dieu et te montre que Dieu peut augmenter la force. Il peut t'encourager. Toi qui es découragé, il y a une solution dans la parole de Dieu. Un seul verset peut transformer ta vie. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ce message concerne toute personne qui est fatiguée. Si tu es fatigué, le verset te concerne. Il est dit, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Si tu es tombé en défaillance, Dieu augmente la vigueur. C'est un verset très profond. Tout le monde a besoin de la force. Dieu donne de l'espoir. Ça dit qu'il donne de l'espoir. Toi qui es découragé, le diable te fait comprendre que tu es seul, que rien ne marche, que tu n'as pas de chance dans la vie, mais c'est faux. Dieu est avec toi. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu crois en Jésus, tu crois en l'œuvre qu'il a fait sur la crois. Selon la parole de Dieu, tu es devenu son fils. Tu es le fils de Dieu. Selon Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Les parents qui sont en train de m'écouter, je suis sûr que vous occupez de vos enfants. Tu t'occupes de ton enfant. Si ton enfant est malade, tu ne peux pas aller travailler, tu dois rester avec l'enfant. Tu n'as pas la paix. Tu veux vraiment être avec ton enfant. Tu veux encourager ton enfant. Si ton enfant souffre, tu sens que toi aussi tu souffres parce que tu t'occupes de ton enfant. Ton enfant est la chose la plus précieuse que tu as sur cette terre. Et si vraiment tu donnes ton attention à ton enfant, à combien plus forte raison Dieu le Créateur, il s'occupe de ses enfants. Si tu as des problèmes, sache que tu as un Père au ciel qui s'occupe de toi. Il a connu ses problèmes avant que ces problèmes surgissent. Il a connu ses problèmes avant que tu sois né. Rien n'est surprenant devant Dieu. C'est nouveau pour toi, mais Dieu est au courant et il a une solution. Il y a des voix qui te découragent. N'écoute pas ces voix. Si tu n'as pas envie de prier, c'est pas normal. Un enfant de Dieu doit prier. Tu te lèves le matin, tu pries. Il faut comprendre qu'on ne prie pas parce qu'on a besoin de prier. Ce n'est pas qu'on ait envie de prier qu'on prie. On prie parce que la prière, c'est une vie. La prière, c'est ce qui donne la victoire. Ne te décourage pas. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Loue le Seigneur. Rappelle-toi de ce qu'il a fait dans ta vie. Il a certainement fait des choses dans ta vie. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge en louant, en chantant pour le Seigneur. Mais après avoir traversé la mer Rouge, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à regretter l'Égypte. Ils commençaient à penser aux viandes, aux poissons, aux concombres. Ils commençaient à se lamenter tout le temps à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des défis qu'ils ont rencontrés dans le désert. Mais à un certain moment, ils étaient au milieu. Et la parole de Dieu dit que quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a fermé la mer Rouge. Il n'a pas permis qu'ils puissent faire demi-tour. Ils ont rencontré des problèmes au milieu du désert. Et c'était trop tard pour faire marche en arrière. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans le Seigneur, ils continuent malgré eux, ils ne sont pas contents et ils continuent tout en se lamentant. Ne sois pas parmi ceux qui se lamentent. Ouvre la bouche, ouvre les yeux spirituels. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a un Dieu qui te connaît, qui a un plan spécial pour toi. Ces problèmes ne sont pas éternels. Il faut comprendre que ces problèmes ne sont pas éternels et il ne faut pas que tes soucis te séparent de Dieu. Je le répète, il ne faut pas que tes soucis te séparent de Dieu. Au contraire, tes soucis devraient t'approcher plus de Dieu, parce que c'est lui qui a la solution. Ne cherchez pas la solution dans l'alcool, ne cherchez pas la solution dans le sexe, ne cherchez pas la solution dans la drogue, parce que la solution est dans le Seigneur, c'est dans la parole, c'est dans le Seigneur qui a la solution. Approche-toi de Dieu, ne te lamente pas, parce que quand tu te lamentes, tu t'éloignes de Dieu, et tu ne te rends pas compte que tu es en train de t'éloigner de
celui qui peut te sauver. Tu t'éloignes de celui qui a la solution à ton problème. C'est je suis qui a la solution à ton problème. C'est pour ça qu'il faut s'approcher de lui. Ne sois pas découragé parce qu'il est là. Il s'occupe de toi. Réveille-toi. Toi qui ne priais plus, il faut que tu te réveilles et que tu reprennes la prière. Parce que la prière, c'est la vie. Dieu a une solution pour ton problème. Ne te décourage pas parce qu'il est là. Il te connaît. Il est plus fort que tes problèmes. Change ton langage. Cesse de te lamenter. Parle de sa grandeur. Parle de sa puissance. Parle de sa bonté. Parle de sa miséricorde. Celui qui avance, c'est celui qui parle de la puissance de Dieu. Mais celui qui se lamente ne fait que reculer. Change de mentalité et la foi. Garde tes yeux sur je suis. Nous sommes à présent dans la partie de l'émission consacrée à l'enseignement et nous continuons à étudier le livre des rois. Hier, on a commencé le deuxième livre des rois, on a parlé du premier chapitre et à la fin de l'émission, je suis parlé du deuxième chapitre. Je vous ai dit que ce deuxième chapitre nous montre qu'Élie est monté au ciel. Je vous ai également dit qu'on parle seulement de deux personnes qui sont montées au ciel et qui n'ont pas connu la mort. Dans la Bible, on nous parle d'Élie, on nous parle d'Enoch. Si vous avez entendu une autre personne qui est montée au ciel, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce sera des spéculations. Dans le Nouveau Testament, on ne parle que de Jésus. Jésus est mort et ressuscité et il est monté et tous les disciples le voyaient et les apôtres le voyaient monter au ciel. Donc il y a Élie, il y a Enoch et il y a Jésus. Si quelqu'un te parle d'un autre nom ou d'une autre personne qui est montée au ciel, c'est une doctrine religieuse, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. On ne parle d'Élie, on ne parle d'Enoch qui n'ont pas connu la mort. Et on parle de Jésus qui est aussi monté au ciel. Trois personnes. Tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre, ils sont morts. Il y a qu'Enoch et Élie qui n'ont pas connu la mort. Revenons maintenant au deuxième chapitre, 2 Rois chapitre 2. Je vous ai dit hier que c'est Élisée qui a remplacé Élie. Mais je vous ai dit que ce n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu des sacrifices. Élisée a fait quelque chose pour pouvoir hériter, pour pouvoir remplacer Élie. Au verset 4, 2 Rois chapitre 2, verset 4, il dit, Élie a dit à Élisée, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il voulait aller à Jéricho pour la communion avec Dieu. Et Élisée a répondu, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterait point. Il a forcé Élie à aller avec lui. Donc Élisée n'a pas voulu lâcher. C'est ça le message dans le deuxième chapitre. Élisée a eu la révélation de qui était Élie. Il a compris que son destin était lié à Élie et ne voulait pas le quitter. Il ne voulait pas le lâcher. Même aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu que quand ils voient un homme de Dieu qui a vraiment oint, qui a la parole, qui a l'onction, qui a la grâce, ils s'accrochent à lui, pas pour l'adorer, mais pour bénéficier de la grâce de Dieu qui est en lui. Parfois, dans les choses de Dieu, il faut de l'agressivité. Jésus a dit dans Matthieu 11-12, que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Lisez dans vos Bibles, Matthieu 11, verset 12, il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est valable même aujourd'hui. Et parfois, il faut de la violence. Quand tu as vu là où il y a la grâce de Dieu, il faut de la violence spirituelle, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que Jésus a dit, que le royaume des cieux est forcé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de paresseux spirituels. Ne soyez pas paresseux, mais soyez agressif spirituellement. Il faut prier, il faut jeûner, il faut foncer là où vous voyez qu'il y a la grâce de Dieu. Élisée avait vu la grâce de Dieu dans Élie. Il a dit, non, je te lâche pas, je te quitte pas. Si tu vas à Jéricho, je te suis à Jéricho. Au verset 3, on voit que Élisée avait déjà vu ce que les prophètes essayaient de lui dire. Les prophètes essayaient de lui montrer qu'Élie allait partir, mais Élisée, elle dit, je le sais. Voilà. Elle dit, je le sais, taisez-vous. Parce que lui, il avait une mission. Il ne voulait pas rater l'occasion où Élie allait monter au ciel. Il voulait la grâce, il voulait l'onction d'Élie. Au verset 6. Si vous lisez le verset 6, d'abord il a forcé de le suivre à Jéricho, mais au verset 6, Élie lui dit encore, reste ici je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Avant c'était Jéricho, maintenant c'est le Jourdain. Et qu'est-ce que Élisée a répondu? Il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux le chemin. Ce qu'il faut apprendre ici, c'est que parfois il faut foncer, il faut persévérer, il faut pas lâcher. Il y a des chrétiens qui, quand ils voient les choses qui ne marchent pas, ils abandonnent. N'abandonnez pas. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens que Dieu amène dans
dans ta vie. Quand tu es avec ces personnes, tu y apprends toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il faut vous attacher à ceux qui sont plus matures, plus spirituels, ceux qui ont une vie de prière, ceux qui ont de l'intégrité. Parce que quand tu t'attaches aux faibles, tu seras faible. Quand tu t'attaches à ceux qui sont forts, tu gagneras de la force. Élisée a décidé de s'attacher à Élie parce qu'il avait vu quelque chose de plus fort en Élie et il voulait s'attacher à lui pour bénéficier de ce qui était en Élie. Au verset 9, lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu veux. » Élie était fatigué, il a dit, « Tu m'en suis partout, tu m'en suis à Jéricho, tu m'en suis à Jourdain. Qu'est-ce que tu veux ?» Élisée était content de la question, il a répondu au verset 9, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Autrement dit, il a dit, « Je veux deux fois ton onction. » C'est pas que je veux ton onction, je veux plus que ton onction. Je veux deux fois ton onction. Je veux une double portion de ton esprit. Et au verset 10, Élie a dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Autrement dit, il a dit, « Si je pars pendant que tu es avec moi, tu auras la double onction. » C'était une très bonne nouvelle pour Élisée. Si je suis le veux, nous allons continuer demain. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.